les filles, c'est grave la galère. Je vous ai dit début de semaine qu'on allait faire des papiers hyper importants et tout ça. Et en fait, j'ai perdu les papiers. Tous les papiers qu'on a fait, les démarches qu'on a fait, j'ai tout perdu. C'est les papiers officiels en plus. Donc là, on est censé envoyer un papier pour continuer les démarches de ce qu'on avait en notre possession. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tout perdu. Donc là, je sais plus de quoi faire. J'ai tellement le stress que j'ai envie de vomir. On a demandé à l'hôtel, à la réception, pour voir si on ne les avait pas oubliés quand on avait des check-out. Il n'y a rien dans les chambres. Donc on sait pas. On sait pas où cette pochette avec tous les documents se va être. En plus, c'était une grosse pochette, il y avait plein de papiers. Je sais pas. Donc là, je suis à deux doigts de pleurer parce qu'on a attendu ça toute la semaine. On est là pour faire le papier et tout. Et on a tout perdu. Tous les papiers originaux, tout. Je sais pas quoi faire. On va pas tous le. C'est un truc de fou. On a tout perdu et on sait pas où on a mis cette pochette. C'est un truc de fou. Ouais, c'est une pochette avec des tampons dorés et tout ça. Tu vois, c'est un truc important. Bon, les filles, je vais essayer de me relaxer parce que là, je vais quand même faire un soin visage. Voilà, les papiers, je sais pas. Je ne sais pas. Même avec mon chéri, on ne sait pas. On ne sait pas quand on les a vus la dernière fois. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas ce qu'on va devoir faire. On va devoir tout recommencer. On sait pas. Comment vous dire que c'est vraiment la merde, la grosse merde. Mais bon, on va essayer de regarder un petit peu, de demander aussi aux caméras, voir si on est rentré avec dans l'hôtel ou pas. Parce qu'on a une opportunité. C'est vraiment un truc de débile d'avoir perdu des papiers aussi importants. Et on se dit que la femme de ménage n'aurait pas pu jeter ça, il y avait un gros tampon dessus, on voit que c'était pas bien important. Elle n'aurait pas pu les jeter. Donc là j'ai profité de mon soin visage, ça tombe à pic. Bon les amis, on a trouvé une solution pour mes papiers. D'ailleurs merci à ma copine chérie Sandra d'avoir pensé à faire imprimer plusieurs papiers, plusieurs exemplaires des mêmes documents. Du coup là maintenant je vais retourner à l'aéroport pour faire tamponner un papier que j'avais dû faire tamponner à l'arrivée, qu'elle m'avait sorti en plusieurs fois justement parce qu'elle m'a dit c'est bien, il y a toujours des galères, des fois on écrit des trucs, on supprime et tout ça, donc je t'en imprime plusieurs. Et du coup là maintenant je vais vite aller à l'aéroport pour faire imprimer ce papier là, enfin le faire tamponner parce qu'on l'a déjà imprimé, et le renvoyer du coup pour continuer les démarches. Et tous les papiers originaux que j'ai perdus, bah eux ils les ont. Donc c'est juste ce papier-là en fait qui est embêtant parce qu'on doit retourner à l'aéroport pour le faire tamponner. Donc voilà. Et vous savez pas ce que j'ai fait aussi. J'ai oublié mes deux colliers Louis Vuitton dans l'autre chambre où on était. Je suis vraiment tête en l'air. Je crois que je dois me faire soigner pour ça. Je suis maladroite. J'oublie tout. Je suis tête en l'air, mais c'est un truc de malade. Franchement, je vous jure que c'est un vrai problème chez moi d'oublier tout comme ça. C'est pas normal. Je dois aller me faire soigner pour ça. Hein. C'est pas des blagues. C'est réel. Je perds toujours tout. Et là, je voulais mettre un collier vu que j'avais une petite chemise. Et en fait, j'ai dit, ils ont mes colliers. Je me suis rappelé qu'on les avait mis sur la lampe pour ne pas les enrouler et qu'il y ait des nœuds. Et en fait, on est parti sans. Et à la base, on devait rendre l'appartement demain. On l'a rendu aujourd'hui vu qu'on est dans un autre appartement. Dans la même tour, on est dans un autre appartement. Et le mec nous a dit non mais gardez les cartes jusque demain et tout ça, il n'y a pas de problème. Et on a insisté pour prendre la carte vu qu'on n'allait plus dans notre appartement. Et en fait, on aurait dû garder la clé pour pouvoir en aller chercher mes colliers. J'ai le papier, j'ai mon passeport. On peut aller. C'est bien ça le problème, c'est qu'il n'est pas souvent là. Il n'est pas souvent dans ma tête, mon cerveau. Il est à l'ouest. Aujourd'hui, j'aime trop mon visage. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait un soin ou mon make-up, mais je pense que le soin joue énormément sur le fait que mon make-up ça soit bien appliqué aujourd'hui. Vu que ma peau elle a été bien nettoyée, elle a été traitée, ça a donné un petit coup de boost aussi. Donc voilà, franchement, je me suis trop bien maquillée, toute simple, pas trop de chichi. J'aime bien. Fallait absolument que je le rince le soin parce que du coup. On a eu un rendez-vous tout à l'heure, j'avais le visage tout gras.
parce que c'est bien de garder le plus longtemps possible le produit sur le visage. Et là, j'ai pris ma douche. Bon, on est à l'aéroport. J'espère que ça va pas être trop galère de faire tamponner un papier qu'on avait tamponné à l'arrivée. Parce que c'est pas la même chose. Et mon passeport, tout, vous verrez que j'avais déjà le tampon sur mon passeport. Mais comme c'est la douane qui doit tamponner, vous allez appeler quelqu'un de la douane. C'est une vraie galère. C'est fait. Enfin! J'ai cru que franchement, tout le monde me disait non, il n'y a pas besoin. Si, il y a besoin, on nous a dit qu'il y avait besoin. Et première, c'est bon, ça a été fait. Et là, ça a été super rapide, donc on a attendu 30 minutes à l'autre pour rien. Ici, ça a été vraiment en 5 minutes, c'était fait. C'est bon.